Exemple, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, la Lofril, pour lui enterrer le dossier de qui victime de la Saline, il te dit que massacre. Moun qui victime d'Elma 32, côté que Emmanuel Bisset, te ba liste moun qui fait massacre ça, et qui te conduit à la mort de journalistes, yo, et tout moun concordé pour dire qui te la caille Pierre Espérance, des deux jeunes garçons qui dénonçaient Pierre Espérance, et gon lettre qui prend sorti là, pour l'avion international là, pour dire mais liste de moun qui dénonçaient Pierre Espérance, comme moun qui te planifié bagay 32 ans, qui t'a abouti à la mort de journalistes haïtiens, mes amis. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'opin de la vidéo. Ça, et j'ai comme toujours dit, c'est toujours un plaisir pour moi pour me parler ensemble avec vous. Tout ça qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner Kounia la même sous votre couvert ça. Et pas oublier d'activer 5 cloches notification pour capable recevoir une notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous-même qui pouvez faire ça Kounia la même. Parce que nous sommes intelligents, ou pas oublier perdre la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. Exemple, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, la Lofril, pour lui enterrer le dossier moun qui victime la Saline, il te dit que massacre. Moun qui victime d'Elma 32, côté que Emmanuel Bisset, te ba liste moun qui fait massacre ça, et qui te conduit à la mort de journalistes, et tout moun concordé pour dire qui te la caille Pierre Espérance, des deux jeunes garçons qui dénonçaient Pierre Espérance, et bon lettre qui prend sorti là, pour l'avion international là, pour dire mais liste de moun qui dénonçaient Pierre Espérance, comme moun qui te planifié bagay 32 ans, qui t'a abouti à la mort de journalistes haïtiens, mes amis. En tant que droits humains, mais ça le produit dans le pays, ça. DCPJ qui a enquêté sous le dossier, il y a deux personnes qui ont arrêté Pétionville, il y a deux encore qui sont en prison, ils ont arrêté 7 à 8 mois de cela. Tout le monde a concordé pour dire que c'est la caille-pierre qui a été planifié massacre, ça, qui a été baptisé Opération Volcan. Donc, nous concluons pour nous dire que Emmanuel Bisset dans le DCPJ, lui explique la réalité. Bien ou l'autre jeune qui est Sony, qui a été récupéré pour le faire assassinat toujours, là dans le DCPJ. Donc, bien ou demoiselle qui est chérie Christique dans l'organisation là, qui dénonce lui encore. Des sonnel qui dénonçait qui était employé la Kaili, que ce n'est pas nous qui avons persécuté monsieur. Qui ça, monsieur dit blanc yo? Que ces élections ont empêché le couvrir. Mes amis, quelle histoire. Quelle histoire. Où font pas qu'être ça? Commissaire gouvernement dit non. Le pape enlevé mandat contre M. Chosener. Le pape enterré dossier ça, il est criminel. Il faut aller devant le juge ou dire non. Donc, il y a ça. La délégation, ça a venu. Hein? Si vous avez besoin d'informations, et pas de CPJ seulement, vous avez. Faut avoir un commissaire gouvernement. Faut regarder les plaintes qui déposent. Même si vous avez un certificat, vous avez la prochaine conférence, je vais présenter les certificats qui sont dans le greffe, tribunal, Port-au-Prince, tribunal d'instruction Port-au-Prince. Nous avons tous les documents. Donc, les espérances ne sont pas comme Marine Alcool. Parce qu'elle ne voulait que la justice tendille. C'est mon de l'expérience qui mettait le dehors. Ce n'est pas nous-mêmes qui mettait le dehors. Donc si je ne le dis pas là, PSP est dans une situation liée là, c'est mon homme qui le met dans le monde, même il n'y a pas Céanel Lafleur. Vous comprenez? Son Delco qui le met dans le monde. Ce n'est pas nous qui mettons le Delco, ni compagnie nucléaire, ça qui le met dans le monde. Donc l'homme fait mal, il faut être responsable crime, il faut être responsable à coup, il faut être responsable action. C'est pas la gueule sous do moun. Donc, et sous bah ça, juste avant que nous passions mettre la pour développer dossier Chelson pour nous, nous allons attendre qui sa espérance planifier sous deux pays. Dans les rapides. Dis à DCPJ, même Jean Tour, moi-même, vous comparez, gain un directeur siège là. Maître Rizoua, qui c'est M. Pierre Espérance. En deuxième lieu, nous avons la faille Jean Dukens, qui c'est chef gang 4x4. Troisième position, nous avons Grégory Libéris,
qui est toujours dans la rue. Il y a un sénateur Nenel Kassi. Il y a un sénateur Don Kato. Baiser sous lui, pour une raison. Il y a Assad Volsi. Ce n'est que l'arrière, ça fait l'irrité pour l'arrière. Il y a Chile Ludor. Il y a Guito Numa. Il y a Izzy. Il y a Patrick Joseph. Et chaque monde a été une raison de justifier, selon ce que je dis dans le DCPJ, raison qui fait que, pour la question de l'affaire de massacre d'Elma Kandoya, songez bien, dans l'époque-là, il y a une question de l'affaire de référendum. Posez une question sur la question de, après Noyo, mission PAM, normalement que mission 1, ça veut dire qu'il y a une question de opération volcan, que, jusqu'à maintenant que nous estimons qu'il y a éclaté toujours dans le pays. Mais t'es en dedans le collectif, le collectif 7 février. Ça, c'est une déclaration que moi-même, Emmanuel Bisset, vendredi 11 octobre, novembre, se passe, a fait dans le DCPJ. Effectivement, opération volcan qui j'en t'ai, il te gagne. Faut que tu gagne. Moun. Tu gagne question de désarmer police. A mettre tout. Tu gagne uniforme de bail. C'est uniforme de dîner pas. C'est ça que l'on dans la caille. Moun. Dignité ça, moun ça, ou te ciblé, ou te baye de l'eau. Parce que monsieur, ou te gen service de l'État, nan men yo, te gen moto, service de l'État, nan men yo. Que moi-même, Emmanuel Bisset, que me dit, opération volcan, c'est-à-dire que pour te exister, faut que c'est à la bannière de moun ça. Mais c'est même opération volcan ça, qui vient baye à la dernière minute, pour te capable de rabattre, question de référendum, nan, c'est juste planifier un massacre. Comme M. Pierre Espérance, lui-même, depuis le massacre, lui-même, depuis à 6h du matin, lui avec Kael, pour la produire rapport. Eh bien, c'est de ça, c'est là que le massacre d'El Matin de lui vient de programmer. Il vient de faire. À deux jours, un an passé, pas jamais de rapport. Eh bien, moi-même, Emmanuel Bisset, étant que Moun, qui était présent à titre de membre d'organisation, était très influent dans le siège social, réseau, qui dit qu'il y a des droits qui sont RNDDH, eh bien, normalement, on baille DCPJ en attendant le sac que je me c'est tout. Salut, la presse parle, puis acheter le musée. Normalement, conférence en base, on a bien sur toi. Mais raison, c'est juste le côté. Les jeunes, je ne sais pas, je ne mettre pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, encore, ok? Et je ne sais pas, je ne sais pas, je ne pour faire. Vous faites une politique qui a tout le monde. Ok, monsieur, dénoncez l'âme de lui-même. Et mes amis, qui ont fait un contact de l'âme, je dénonce tout de l'âme. Ok, même je vais démonter, monsieur, par ça, parce que je suis une formation de PSOS retourné. Ok, je vais faire une formation. Avec PSOS, je vais retourner là. Ok, matin, quoi, hier, je parlais. Il y a des choses à la mise, il y a des choses à la mise, il y a des choses à la mise, il y a côté, mais tout le monde la terre à jouer pour lui. Ok, moi, pas supporter ça, je suis obligé d'aller, et mon compagnon de CPJ, et m'a dénoncé. Ok, je fais ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, je fais. Non, je fais le moyen, je vais te passer, et peut-être, et l'oeil, moi. Nous pas utile moyen, nous pas utile moyen non plus. Nous allons faire 90%. Pas mentionner parce que ce n'est c'est Pierre qui a bloqué tout processus qui fait. Bon, cette boîte là, le Marielle lui, mandé oui, faut guider marche, faut ministère de la justice et gérer d'ailleurs ça, etc. Pour faire procès à promotion de libération. Lui, Pierre fait toute tentative pour bloquer lui. Pierre, monsieur, trop puissant, mais il y a. Ça veut dire, au monde, n'est pas puissant comme ça, et puis qui est-ce que. Déjà là, sans aval, Pierre Espérance. Sous pas comme ça, je vous allez dire. Ce sont tous les gens qui sont venus, ils sont puissants, garçons. Et les gens qui produisent la pensée ouvrée, ils ne sont pas venus à vous, papa. Son pays est difficile. Donc, parce que nous reprenons ça pour nous, vous allez nous, qui ça, qui est le monde qui est expérimenté. Mais je dis là, la délégation de l'Asie internationale qui vient défendre aujourd'hui aller à la justice pour porter éclaircissement sur ça, je dis contre. Au marron, au cachet,
pour sauver depuis 3 mois dans le pays ça et puis on va faire si bagarre imbattable. Donc dans ça ça nous dit que l'expérience si gain monde sur la tête pelle mon chéri Fidel pas peur tonton vini pour nous faire pour ça yo pas besoin marron fait DCPJ prend responsabilité avec commissaire fait par là déjà il transfère dossier dans cabinet d'instruction ce que nous mêmes déjà et n'a pas pour juge arriver nous connait là pour nous déposer document nous et pour Pierre vini et pour nous joindre libération chef Sano et ensuite pour procès ouvrir chef Sano face à Pierre Espérance et nous te dit nous dernièrement que chef Sano fait appel sans pas connait pour diable avocat va expliquer ça il va voir implication doyen Bernard Saint-Ville dans dossier comme doyen et puis Pierre Espérance Marie Olène Gilles et associé et puis vous fait appel pour monsieur encore. Donc, dans ce sens, on a passé avocat comme nous, qui va nous tout détail sur le dossier chef Sano. Et actuellement, là, comment ça y est par devant le tribunal pour que monsieur vienne libération. Ok. Nous saluons la presse parler, écrit, télévisé et en ligne qu'il a. Je dis à ce 6e jour dans l'année. Premier bagage, on a dit que c'est ouverture. Ça nous relie à l'année politique, nous. Qui nous était fermé le 30 décembre. Je veux dire, nous, vraie année politique. Même si j'ai une année fiscale, même si j'ai une année électorale, même si j'ai une année civile. Donc, année politique, nous, toujours fini dernier 30 décembre, pour l'ouvrir 6 janvier. Objectif conférence, tout d'abord, c'est pour nous dénoncer une délégation dans les pays espérance. Vous voyez, qui va dans le DCPJ. Parce que Pierre Espérance quitte le pays, parce que DCPJ te mandé pour le temps d'elle, sous acte, kidnapping, assassinat, toute action mal qu'on aime de dénoncer, que je vais passer un petit bail pour nous là pour nous tendre tout, un petit voice. Et ensuite, ça c'est avocat chef Sonsano. Dernièrement, je dis que les paramètres dans le dossier chef Sonsano ont échappé. Je viens de vous dire là, nous avons un dossier complet. Et avocat Pradjo, qui s'acte bloqué monsieur en dedans, nous avons dit que bon question de appel, pour l'expliquer comme mettre dossier, histoire ça, de fond, la compte. Et ensuite, nous avons annoncé nous tout que, date congrès, plateforme politique victoire, parce que nous avons un processus électoral. Et nous, je dis à la tout, nous avons présenté un échantillon de nouvelle génération politique, nous, n'a formé, mais là, derrière nous là, c'est parti politique héritage, son échantillon. Et nous prenons engagement pour nous former 500 jeunes sur le plan politique et économique sur tout territoire pendant l'année civile. Donc, et pendant l'année politique, nous. Donc, dans ce sens, je dis à nous, conférence ça. D'abord, pour nous dire Pierre Espérance, il n'y a pas besoin de voir une délégation étrangère. Doit assumer qu'on a balcon pour planifier kidnapping. Selon sa DCPJ comme information, si Pierre paniqué, il sauvait qui était payant. Donc, délégation ça, qui était contre Baïti Pierre l'argent, nous dénoncer pour nous dire que monsieur ça, c'est un kidnappeur, son assassin, son criminel, que lui-même était qu'on a financé. Pour le faire installer gang dans le pays. Et gang liant, équipe liant, est arrivé même kidnapper chef Sonsano. Année civile, ça, 31 juillet, a fait chef Sonsano 10 ans dans prison pour ça, le pas qu'on est. Et mettre là pour l'expliquer nous, pour qui ça, monsieur, par exemple, la guerre. Et je veux dire, nous prenons engagement pour monsieur joindre libération. Monsieur M. Jacob Charles, avocat de chef Sonsano. La fois lumière matin sur le dossier chez son Sano, année ça balle exactement 10 ans prison. Et côté que Pierre Espérance et Marie-Olène Gilles bloquaient processus ou procédure pour chez son Sano pas juge. Moi personnellement, je suis le doyen, l'ex-doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville.
il était fait me connaître que Chelson Sanon interjeté appel. Interjeté appel, là, c'est un terme juridique. Il dit que le moins bien ça comme ordonnance, dossier à l'in cabinet d'instruction, juge là, ben on ordonnance, avocat Kachita avait me dit que moi m'estimer comme avocat, juge là, lui pas traité en faveur, il était contre tout, nous a interjeté appel. C'est ça le terme. Chelson Sanon, pas de jambe bien avocat, les qualités et devant et cabinet d'instruction à l'époque. Il y aurait les Chelson Sanon pour interrogatoire tentatif. Mais le problème qu'il y a, Chelson Sanon recevoir son acte d'accusation le jour même ainsi que son ordonnance. Cela dit, le délai est parti pour l'interjeter appel à le tomber. Parce que automatiquement, le recevoir ni ordonnance là, ni acte d'accusation, ni pas qu'à interjeter appel encore. Le greffe tribunal, le décan, vous voyez ça que l'on extraction en de prison pour venir à Chelson. Le Chelson est arrivé avant carré doyen. Marie-Hélène Vini, en sa personne, lui dit Chelson ça non que automatiquement il y a un ça dit que ou interjeté appel. Chelson ça non à l'époque, 23 ans, parce que l'État était 23 ans, de ça. Il dit pas qu'on a une question de justice. Dès que greffier relève le vraiment, il dit que lui interjeté appel. C'est ça qui permet que le procès Chelson Sanon pas de jambe qu'à faire. Le Chelson Sanon vient estimer que c'est Mounsayo qui fait le rite dans la prison. Il vient prendre un cabinet d'avocat dont nous-mêmes nous faisons partie de lui. Ce que nous faisons, puisque il dit Chelson Sanon interjeté appel, et le tribunal est là, et le greffe de la cour est là, ce que nous faisons, nous-mêmes nous rendons nous dans le greffe coup d'appel là, il y a des qui sont certificats. Je vais lire pour vous. Le greffe du parquet près de la cour d'appel de Port-au-Prince certifie et atteste par la présente qu'après les recherches effectuées dans les registres à ce destiné, le dossier du dénommé Chelson Sanon n'est pas enregistré dans le registre du parquet de la cour. En foi de croix, ce certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Port-au-Prince le 13 juillet 2020. Ça, c'est greffe l'acte bam. Certificat, ça dit que Chelson Sanon pas interjeté appel, il est capable de juger. Voilà que doyen tribunal là, à l'époque, Maître Béra Saint-Ville, les femmes comprennent que Marie-Hélène, personnellement, elle dit que Chelson Sanon interjeté appel. Je dis, doyen, ça c'est du non-sens. Si ou là, je ne sais pas si c'est moi qui peux faire la morale, ou connaissez deux mouns, soit madame ni ou maman peut-être, ou du moins avocat, qui t'a dit ou ça. Mais si son tierce personne qui vient et qui dit que monsieur interjeté appel, il est tombé, monsieur pas interjeté appel, et voilà que moi, mal dans le greffe là, bam ça, faut que Chelson Sanon ou mettre dossier en état pour permettre que Chelson Sanon capable de passer dans sa crélo, assise, sans assistance de jury, et ce que il était voyé à juger, et dans l'article 224 et 318 du code d'instruction criminelle. 224 là, qui ça le dit? Il dit que toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés est un crime contre la paix publique. Nous, comme avocats, nous rejetons ça d'un revers de main. Chelson Sanon, puisque Marie-Hélène Gilles yo indexé en dans dossier avec tout et notaire qui était monté dossier avec Marie-Hélène, li pas en de prison, cela dit automatiquement et association des malfaiteurs a li tombé. Attendu qu'il en est de même pour la dame Marie-Hélène Gilles agissant pour le compte de RNDDH lorsqu'elle a déclaré au cabinet d'instruction avoir reçu au service des plaintes de RNDDH le nommé Chelson Sanon qui a fait des déclarations au cabinet d'instruction, non pas cette prétendue plainte, mais un document intitulé « Les dessous des enjeux politiques en Haïti ». Témoignage d'un ex-enfant, soldat aujourd'hui, membre de gang armé.
ce qui apparaît clairement pour tout un chacun, il s'agit de réflexions et de commentaires de RNDDH. De fait, à travers son employé Marie-Hélène Gilles, alors qu'elle a fait passer comme une plainte. Attendu qu'il s'agit, celle-ci aurait été transmise au cabinet d'instruction ou au parquet du ressort accompagné d'une lettre de couverture de l'institution RNDDH à laquelle Marie-Hélène Gilles appartient. Attendu qu'il est évident et clair que le notaire Ronnie El Beaubrun et Marie-Hélène Gilles se sont fait complices des faits d'association de malfaiteurs et de dénonciation calomnieuse reprochée au nommé Shelson Sanon. Yo pas arrêté Marie-Hélène Gilles, dès que Marie-Hélène Gilles, c'est Marie-Hélène Gilles, son grand jupon, parce que li en dans RNDDH avec Pierre Espérance, c'est ça que fait Marie-Hélène Gilles avec Pierre Espérance à flâner ainsi que notaire là dans la rue. Et ceci, c'est ça que fait dossier à bloquer, puisque Pierre Espérance l'a dans, puisque Marie-Hélène Gilles l'a dans, notaire Ronnie El Beaubrun l'a dans, c'est ça que fait jusqu'à maintenant dossier à li bloqué, Shelson Sanon, pas qu'à juger. M'appelle directement pour nous, rapide, et côté que. Et voilà, c'est là que nous avons pensé à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier abonnez-vous avec la chaîne là, c'est pour que vous ça. Et activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne là. Et pas oublier la vidéo ça pour pouvoir toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!